Et coucou. Bah du coup, j'ai installé tout pour jouer à la DS et pour pouvoir faire la suite de Aria of Sorrow qui s'appelle donc Dawn of Sorrow. Donc là, on passe à un autre niveau parce qu'on est sur la DS, hein. On est plus sur la Game Boy Advance. Encore loin de la 3D, mais vous allez voir que c'est quand même plus joli qu'avant. On a même la petite cinématique d'intro animée. On remarque au passage que le design des personnages a un peu changé. Pas forcément pour le mieux, malheureusement. On est passé sur un style un peu plus manga et moins léché, on va dire. Moins artistique. Eh oui, il fallait bien justifier qu'on est sur DS avec l'utilisation du stylet. Et vous allez voir, c'est pas la seule fois qu'on va l'utiliser. Depuis l'éclipse solaire de 2035, ma vie a bien changé. Je m'étais alors aperçu que j'étais la réincarnation de Dracula, moi, Soma Cruz. C'est dans son château que j'ai appris la vérité, que j'avais le pouvoir de m'emparer des âmes de mes ennemis. Ce pouvoir funeste a failli m'anéantir, mais mes amis m'ont empêché de sombrer. Une année s'est écoulée depuis lors et je pensais mes problèmes envolés. Ah, vous voulez rire? Oui, la traduction française est aux fraises aussi. C'était déjà pas joli dans le premier, mais dans le deuxième, ça se voit encore plus. Attends, Soma, je peux te poser une question? Bien sûr, Mina, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est passé il y a un an, c'est ça? Oui, à peu près. Et tu nommais ça comment? Tu sais ce don d'utiliser le pouvoir des monstres? Tu veux dire le pouvoir de dominance? Je l'ai perdu en fuyant le château de Dracula. Je sais, mais j'ai ce terrible pressentiment. Ce n'est sûrement rien. Bon, ne t'inquiète pas. Pendant l'année, je n'ai pu utiliser aucun des pouvoirs que j'avais acquis. Et... Toi, tu es Soma Cruz, n'est-ce pas? Oui, et toi, qui es-tu? Tu peux m'appeler Celia. Pas pour bien longtemps. Avancez, serviteur. Quoi? Mina, reviens! Et zut! Soma, recule toi aussi! Monsieur Arikado? Kenya Arikado, le gardien. Oh, ne vous en mêlez pas! Une barrière! Vite, Soma, sers-toi de ça! J'ai eu un petit couteau. Première âme, squelette, lance des os. Âme tactique de pitball, bon, ça s'utilise comme d'autres. Il n'y a rien de spécial niveau gameplay qui a changé pour l'instant. Attaque avec une lance tournoyante. Golem, augmente la force.
Soma Cruz, j'assisterai à ta mort, c'est certain, par tous les moyens. Attends! Économise tes forces, tu ne la rattraperas plus. Et zut. Soma, ça va? Oui, je vais bien, mais ce pouvoir, il est revenu. Alcado, il est revenu? Le pouvoir n'est pas revenu, il a toujours été en toi. Mais tu n'en as pas eu besoin depuis ta fuite du château. Les âmes prisonnières de ton pouvoir de dominance ont été libérées. Ah, alors je ne pouvais pas utiliser le pouvoir car je n'étais pas en danger. Mais qui est cette femme? Elle vous connaissait? Célia Fortner, la prêtresse d'un nouveau culte qui se répand rapidement. Elle semblait préparer quelque chose, alors nous l'avons surveillée. Mais pourquoi en voudrait-elle à Soma? Ils veulent ressusciter le Seigneur des Ténèbres. Ils ont essayé pour Dracula. Ils n'apprécient pas le fait que je ne sois pas devenu Seigneur des Ténèbres. Pas seulement, ils vont tenter de créer un nouveau Seigneur en t'éliminant. En m'éliminant? Mais pas toi, Soma. Soma, tu n'as plus besoin de t'occuper de ça, laisse-nous nous en charger. Cette femme, elle a dit qu'elle verrait ma mort. Soma. Plusieurs jours plus tard. Alors le siège du culte est ici. Après tout, les infos de Hammer étaient fiables. Ah, tu doutais de ma parole? Hammer, que fais-tu ici? Tu es idiot? Qui t'a parlé de cet endroit? Pas moi, peut-être? Bien oui, mais... Et tu te prépares à faire un truc super, hein? Je vais en être, mon pote. Et qu'est-ce qu'est devenue cette jolie petite dame, tu te souviens? Tu veux dire Yoko? Elle ne va pas venir. En fait, je n'en ai parlé à personne. Ah bon, elle vient pas, pourquoi pas? Et mec, enfin, puisque je suis ici, il faut que je fasse avec. Disons que je suis de nouveau dans les affaires et que tu es mon client. Hammer dit, je dis ça pour ton bien, tu devrais partir d'ici. Désolé, pas question. Je sais quand quelqu'un a des problèmes et je vais pas t'abandonner ici. D'accord, bon, je te remercie. Je vais chercher un endroit pour installer mon échoppe. On se voit plus tard. Je me demande bien pourquoi il ne lui a rien dit. Donc là, on a un second écran. Donc, comme on est sur test, on a deux écrans. Et on est sur l'écran du haut, qu'on voit en plus petit à droite. Droite ici, donc. Ben, on peut afficher la carte. Le village perdu. Courte, ça sera déjà plus pratique ça. Une âme zombie, invoque un zombie. On va essayer ça tout de suite. Effectivement, ça invoque un zombie. Il est un peu lent, mais l'avantage c'est qu'il a l'air de prendre les projectiles qu'on lui envoie. On envoie Dora devant. Je peux m'en servir de bouclier du coup. Hein? Ces deux-là. Oh, Soma. Yoko, Julius, qu'est-ce que vous faites ici? Tu le demandes? On a eu vent de ce culte par un tuyau d'arcado. Je fais une enquête avec Monsieur Belmont, tu t'en souviens le chasseur? Soma, il faut que tu comprennes, si les ténèbres t'attirent, je n'aurai d'autre choix que de te détruire. Oui, je le sais bien. Alors tu n'as aucune raison de rester ici. C'est vrai, tu te mets en danger, c'est tout ce que tu fais. Cette Celia, elle m'a attaqué et en plus elle a voulu faire du mal à Mina. Je ne m'arrêterai que quand je l'aurai trouvé. Je vois que tu es décidé. Alors je n'ai rien à ajouter. Attends, Julius.
C'est tout ce que tu dis? Je m'en vais maintenant. Attends une seconde, je viens avec toi. Non, Yoko, reste ici, nous avons besoin d'un contact ici au cas où. Et attends, tu ne peux pas. Salut, quel égoïste. Je parie que tu ne veux pas non plus rentrer chez toi. Eh bien, parfait. Alors voilà, prends ça. Un seau magique. Qu'est-ce donc? Un seau magique. Les prêtresses du culte créent des portes qui attirent la puissance des ténèbres. Les monstres exposés à cette puissance sont invincibles, paraît-il. Et je suis censé les détruire comment? C'est là que le seau magique va t'aider. Tu veux t'entraîner? Bien sûr. Bon, regarde bien. Trace une figure identique à celle-ci. Donc là, il faut utiliser le stylet. Bien, c'est ça. N'oublie pas comment tu as fait. Oh, encore une chose. Tu peux pratiquer à tout moment le saut magique. Si tu n'es pas sûr de toi, tu as besoin de beaucoup de pratique. J'ai compris. Un saut magique s'active tout seul en cas de besoin. Et ça, tu verras. Bon, ça va. Allons-y, seulement. Hein? Allez où? C'est une impasse ici. Seul Julius pouvait rentrer par ici. Repartons et cherchons un autre chemin pour rentrer. Très bien, s'il le faut. Il n'y a pas d'abri contre la pluie et le vent ici. Tu m'accompagnes? Mais oui, bien sûr. Merci, allons-y. Eh oui, je dois jouer les escortes. Alors que la fille est parfaitement capable de se débrouiller seule. J'ai lancé les ennemis un peu tard. Salle de sauvegarde. Cette porte, on dirait que tu vas avoir besoin d'un saut magique. Là, c'est pas moi qui le fais. Il me montre juste celui qu'il faudra que je fasse pendant le boss. Il va sûrement falloir un saut magique pour achever le monstre ici. Sois calme, concentre-toi, je t'attendrai ici. Ah, c'est pas la peine de m'aider, t'as raison. Aucun problème. Si tu le dis. Et nous avons donc, cette fois, l'armure volante. Qui est une âme que j'avais eue dans le premier épisode. Mais qui cette fois est un boss. Le zombie va pas me servir à grand chose ici. Je vais prendre le squelette. Oh, prendre à viser. Non, j'arrive à esquiver, c'est déjà bien. Et là, il faut que je trace le saut pour le sceller. Sinon, il retrouve sa vie. J'ai gagné l'âme de l'armure volante. Tu as réussi. Ces sauts magiques sont si faciles à utiliser. N'en sois pas si sûr, le saut magique ne sera pas utile pour toujours. Que veux-tu dire? Ils vont certainement créer des tracés plus complexes pour ces sauts magiques. Il va falloir dessiner des formes plus complexes. Ne t'inquiète pas, les modèles de sauts magiques seront cachés quelque part. S'ils n'y sont pas, les portes vers les ténèbres seront inutiles. J'ai compris. Je ne vais plus te garder comme escorte, je vais me débrouiller. Tu es sûr? Dans ce cas, je m'en vais maintenant. Le mec, il a pas attendu pour se débarrasser d'elle, quoi. Oh, encore une chose cependant. Julius aura peut-être de nouveaux renseignements. Reviens me voir en passant. Et Soma ne prend pas tout de risque. Bien sûr. Bonne chance à toi aussi, Yoko.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper l'armure volante, le zombie, et on va sauvegarder tout de suite. Même l'armure volante est plus jolie que dans le premier. Hein. J'ai pas bind mes touches de la même façon que sur la Game Boy, du coup, c'est pas évident pour mon cerveau de s'adapter. Les morts. Alors ça c'est une arme lourde. Ça veut dire qu'elle va taper en arc de cercle. Et là j'ai eu une arme d'ast. Décidément on a pas mal de types d'armes dès le début. La longe est pas mal. La lenteur est un peu moins bien. Hein. Massue, on va tout tester, hein. Juste pour le fun. Hein. Ça tape en arc de cercle, mais c'est encore plus long que la pied morte. Je me méfie, j'ai toujours peur que ça soit une mimique. Les sacs de pièces d'or. Et là, du coup, avec Select, je peux changer l'affichage de l'écran du dessus. Je peux mettre soit les informations, pas les informations de la télé, hein, les informations sur les ennemis que je tape et sur mes propres statistiques, ou la carte. La carte est quand même mandatory, on va dire. Oh, salut Soma! C'est toi qui vas être le contact de Julius ici? Oui, personne ne vit ici, alors j'ai pensé que ce serait bien de prendre la maison des gens et de m'y installer. Oh, ce type mal dégrossi en face de moi, quel est son nom déjà? Hammer? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est venu m'aider. Dis-moi, tu ne lui as pas demandé de venir, Soma? Bien sûr que non. J'en étais certaine, mais c'est trop dangereux pour lui ici. Tu pourrais pas lui dire de partir? Je lui ai déjà dit, il ne veut pas bouger. Et puis, c'est sans espoir. Surtout après que quelqu'un qui n'est pas censé être ici soit apparu. Hein? Alors s'il ne veut pas t'écouter, je pense que c'est sans espoir. D'ailleurs, j'ai obtenu une nouvelle capacité. Une nouvelle capacité? Quoi? Bon, tu contrôles l'âme des monstres grâce au pouvoir de dominance, c'est ça? C'est vrai. Alors j'ai pensé utiliser la magie pour les faire sortir et les utiliser. Libérer les âmes? Quelque chose comme ça. Bien sûr, j'aurais besoin de ta collaboration, Soma. Et ce n'est pas si facile à faire. Alors tu comptes utiliser ces âmes libérées. Je peux fondre ces âmes libérées avec une arme et en créer une nouvelle. Les âmes utilisées seront perdues cependant. Tu peux vraiment faire ça? Est-ce que tu en douterais? Tu me vexes? Je n'ai peut-être pas l'air, mais je suis une jeteuse de sorts hors pair. Dis-moi simplement si tu as besoin de quelque chose, je te le trouverai. Très bien alors. Et puis en utilisant cette capacité, je peux sûrement économiser des âmes. Je ne sais pas si tu en auras besoin, mais souviens-t'en à l'occasion. J'ai compris. Alors en quoi puis-je être utile aujourd'hui? Synthèse. Bah je peux faire des épées courtes, mais bon ça ne sert à rien. En gros je peux faire toutes les armes que j'ai déjà collectées pour l'instant. Ce qui ne me sert à rien. Je peux par contre m'asseoir sur le siège et me reposer un peu et laisser les gens sauver le monde à ma place. La clé morte parce que bon même si elle est pas aussi rapide que l'épée courte, elle est quand même plus que la masse. Eh hey, bienvenue, alors qu'est-ce que tu en penses? Pas mal hein? Quel endroit bizarre pour installer une échoppe. Garde autour de toi et ne sois pas mesquin. Yoko est par ici, je l'ai vu tout à l'heure, elle a dû me suivre. C'est impossible. Eh ben tu sais remonter le moral des copains toi. Elle est ici pour enquêter sur ce culte paraît-il. Eh bien en tout cas je suis bien plus motivé cette fois-ci. Tu n'es pas venu à ma rescousse. Bon, regarde autour de toi et achète quelque chose. Ouais. Vende. Dire le niveau de la traduction FR. Je peux vendre ou acheter.
Ouais, rien d'intéressant. Ah là là, j'ai fait des bêtises. Ouais, c'est un peu ça. Ça va bien? Zombie contre zombie. Est-ce que tu as passé une bonne journée? J'appuie sur Select pour ouvrir la carte, que je ne la regarde pas sur l'écran et que j'appuie sur Select. Mais écoute, moi ça va. Tranquillement. Ah merde! Ça c'est embêtant. Et c'est quoi que tu t'es fait tatouer? Enfin, que t'as commencé à te faire tatouer du coup. Soupe de maïs. Dio qui dit you think it's a tattoo but it was me, Dio. Sympa. Tu le fais où le tatouage? Enfin, sur quelle partie du corps? Non, tu déconnes, la liberté guidant le peuple dit de la croix. Tu te fais le tableau complet? Si c'est le cas, effectivement je comprends que ça soit en plusieurs fois. Juste la liberté. Dio, ça aurait été rigolo aussi, ceci dit. Bon, il te reste le côté droit si jamais tu changes d'avis. Comme dans tout mon Castlevania, je casse tout le mobilier. Dio sur les fesses. Oui, 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 ça va être cool. Atelier de magie. C'est l'équivalent de Poudlard dans Castlevania. Mur de glace, ça va être difficile de passer. Est-ce que tu as vu du coup Béré comme tu es là? La cinématique pour Total Warhammer Warhammer 3. Je l'ai vu et je me suis dit que t'allais être très content sans doute. Elle est assez stylée, je dois dire.
katana. La sorcière sur son balai qui s'est pas volé. Se transforme toujours en chat, bien sûr. Des sous, je suis riche. Les quatre armées des dieux du chaos, plus le qui se lève, l'équivalent russe dans Warhammer. Au début, quand j'ai vu justement les différents dieux du chaos, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Diablo. Avec Diablo, Mephisto, Baal, Asmodée, tout ça. Quoi. C'est Diablo qui ressemble à Warhammer, ce qui serait plus probable vu que Warhammer est antérieur à Diablo, effectivement. Puis on sait bien que même Warcraft s'est basé sur Warhammer, donc bon. Des murs destructibles ici, je suis déçu. Une hache, pourquoi pas. Les nains de Warcraft, c'est la copie conforme à Warhammer. Ah ouais, mais total. Ça. Oui, c'est la copie de Tolkien, forcément, et Tolkien s'est inspiré des légendes, pour la plupart nordiques. Donc ouais. De toute manière, on n'a rien inventé, et on peut toujours remonter plus loin. À croire que tous les mythes et les légendes qui existent sont toutes contenues dans notre inconscient collectif. C'est ce qu'il disait, je crois que c'est Carl Gustav Jung. Alors, j'active un téléporteur, qui est beaucoup plus stylé que dans le premier. Bon, j'aimais bien les tableaux quand même, on pouvait rentrer dedans. Mais le coup des sphinx, c'est pas mal non plus. Cochon. Je vais aller voir de l'autre côté avant de m'aventurer dans ce couloir qui a l'air gargantuesque. Ah, un autre cochon. Un cochon engraissé. Cracher du feu comme ça. J'allais dire, on les mettrait pas dans les cages, mais si on ferait toujours. Peut-être que du coup, ils grilleraient avant pour qu'on puisse les manger directement. Le cochon qui s'auto-grille. Je repensais d'ailleurs au monstre de type slime, je le vois parce qu'il y en avait un juste là. Je repensais au monstre de type slime, et l'autre fois j'avais cherché un peu l'origine justement
de ce type de monstre et tout. Mais j'ai pas réussi à remonter plus loin que Donjons et Dragons au final. J'ai même pas regardé ce que j'ai eu comme, comme objet. J'ai un foulard. Et la hache. Ou c'est peut-être le cochon qui nous aurait éliminé. C'est qu'un cochon avec des abdos qui crache des flammes. Mon armée de zombies. Ah, je peux en invoquer deux. Ah oui, c'est vrai que dans celui-là, plus je récolte des âmes et plus les pouvoirs sont puissants. Ça fait que si je récolte plusieurs fois l'âme du zombie, je pourrais en invoquer plus. Non, c'est clair qu'on mangerait pas de porc, les chrétiens. Ne serait-ce donc pas la créature de Frankenstein? Oh! Ah, le truc qui m'a mis un shoot! Je m'y attendais pas. Il m'a défoncé. Ça m'a choqué. Je recommence ça quand je viens juste d'avoir le l'épée émoussée, le katana. Oui, on peut dire que il y a un sacré crochet du drôle. Oh, la sorcière là, qui tombe à chaque fois en faisant yeah. Je suis riche de nouveau. Et le truc, c'est que là, on voit dans les caractéristiques du monstre, on peut voir leur faiblesse et leur résistance. J'ai l'impression qu'il y a trois types d'armes physiques. Les armes d'impact, les armes de percée, les armes de... Je sais pas comment on dit slash en français. Et les éléments. Tout ce qui est magique. Et après, il y a les altérations d'état, poison, malédiction et pierre. Elle est sexy pour une sorcière. Oui, je me doutais qu'elle te plairait. Et souple avec son grand écart quand elle tombe. Ouais, t'as vu comment elle se tient sur son balai? Tableau qui me suit des yeux. Bonjour, bonjour. Je ne suis pas creepy. Je ne suis pas du tout creepy. Ah, il est sourd.
en plus le cochon là il a une boucle d'oreille. On a le droit d'être un cochon qui crache du feu et d'avoir son propre style aussi. Ta maman t'a pas dit que c'était mal poli de cracher sur les employés. Le level design est un peu moins linéaire que le premier et du coup on peut se perdre un peu plus facilement. Ouais, du coup, le foulard. Voilà. Voilà, c'est fait. Tu mets de la pierre dessus. C'est que la pierre c'est pas très digeste, mais bon, un peu tenu quand même. C'était où qu'il était? Ah, c'est là qu'il est, notre ami, la créature de Frankenstein. On va faire un petit tour en bas avant. Oui, c'est un peu plus Metroid quand c'est labyrinthique. Mais la différence en fait avec un Metroid, même si ce genre de Castlevania il est inspiré. De Metroid, c'est que t'as une composante un peu plus RPG dans les Castlevania avec un niveau qui monte, des objets à collecter qui augmentent tes stats, des trucs comme ça. Alors que dans Metroid, t'as pas du tout ce système de niveau. T'as effectivement des équipements, mais les équipements en fait, c'est des upgrades qui vont te permettre d'accéder à d'autres zones, ce qui est le cas aussi dans Castlevania. Ah, tu es venu, je l'avais prédit. Célia Fortner. Tu plaisantes, non? Ce punk serait le seigneur des ténèbres? Ha! Mais parce que là, je joue Soma, celui qui a les cheveux blancs, et c'est la réincarnation de Dracula. Il ne faut juger de rien sur l'apparence. Les simples m'agacent. Comment tu m'as appelé, Dimitri? J'ai simplement constaté un fait. Dario, Dimitri, ça suffit, vous deux. Chut! Excuse leur conduite, bienvenue dans la maison qui abrite notre église. Tu parles comme si tu m'attendais. Tu crains de menacer des innocents parce que tu es ce que tu peux devenir. N'ai-je pas raison? Oui, je me suis laissé prendre. Pourquoi ressusciter le Seigneur des Ténèbres? Ce n'est pas lui que nous voulons. Pour que Dieu soit parfaitement bon, il faut aussi un être parfaitement mauvais. Je n'ai rien à voir avec ça. Si le monde a besoin d'un être maléfique parfait, il en viendra bien... Ça marche comme ça, non? Peut-être bien, mais peut-être pas. Ça, c'est de la réponse. Ce qui est vrai, c'est que la puissance des ténèbres va en s'affaiblissant. Il faut créer sans faute le Seigneur des Ténèbres, dès que possible. Mais ça ne veut pas dire... J'en ai assez entendu, taillons ce punk en pièces, ici et maintenant. Patience, il va essayer par tous les moyens de m'arrêter. Inutile de se dépêcher. Hein, qu'est-ce que tu dis? Nous le tenons maintenant, nous pouvons le détruire quand nous voulons. C'est exact, et ce sera aussi un test pour vous deux. Je vois. Attends une seconde, un test? Quel test? Je n'étais pas au courant. Réfléchis, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il n'y a qu'un Seigneur des Ténèbres, mais il y a deux candidats, toi et moi. Imbécile, je le sais bien. Alors mets-toi ça dans ta tête de Linotte. Celui qui vaincra ce garçon sera choisi pour être le Seigneur des Ténèbres. Ah d'accord, oui, je vois. On va s'amuser, punk. La prochaine fois que je te vois, tu finis en cendres. Je m'en vais aussi, je n'ai rien à faire ici pour le moment. Alors voici les candidats Seigneur des Ténèbres. C'est exact. Ils sont nés au moment de la mort de Dracula. Ils ont hérité de ses pouvoirs néfastes.
Mais ça ne garantit pas qu'ils puissent devenir seigneurs des ténèbres. Ils le peuvent, en fracassant l'âme de Dracula. Si tu veux m'arrêter, je t'attendrai à l'arrivée. Je peux même changer d'avis si tu survis à mes pièges. Il y a un boss juste là. On va pas y aller tout de suite. Coucou Escala, comment tu vas? Tes fameux gnocchi à la carbonara. Enfin, à la fausse carbonara, bien sûr. Ben moi, écoute, ça va. Là, on a commencé la suite de Castlevania. Et du coup, on est passé de la Game Boy Advance à la DS. Ce qui est un changement un peu appréciable, puisque tu vois, on a un écran plus grand maintenant. Bon, créature de Frankenstein. Bon, on va éviter de se faire puncher. Alors non, en fait, ce qui me permet de planer là, c'est l'âme de l'armure volante. Parce qu'en fait, le pouvoir que j'ai par rapport au fait d'être la réincarnation de Dracula, c'est que je peux dominer les âmes des monstres que je tue. Et du coup, bah, en tuant un monstre, tous les monstres ont une âme en fait, et en le tuant, j'ai une chance de la loot. Il y a un certain pourcentage de chances que ça marche. C'est ça qui me permet d'envoyer des ondes, par exemple. Et l'âme qui me permet de planer, c'est l'âme de l'armure volante. Ah non, encore lui. En plus, je peux même pas passer là. L'interrupteur, il est de l'autre côté. Ça gère la créature de Frankenstein. Par exemple, tu vois, si je tue l'armure qui lance des bombes là, bah, j'ai une chance d'avoir une âme, son âme qui me permettra de moi lancer des bombes. Et tous les monstres du jeu ont une âme à loot en fait. Avec un pouvoir qui lui est propre. Bon, on va se faire le boss du coup. C'est là. Bonjour. Visiblement, le zombie ne sera pas d'une grande utilité.
L'âme du squelette me permet d'envoyer des os, ça sera plus pratique pour l'attaquer à distance. Mais c'était même pas dessus. Des potions déjà ou pas? Ouais, on prend une potion. On va en reprendre. C'est vrai qu'il y avait des attaques spéciales avec chaque arme aussi, je m'en souviens là. Par exemple, avec le katana, je peux faire ça. Mais le problème, c'est comme il est trop haut, je peux pas l'atteindre. Mais non! C'est une sorte de potion. En fait, je pense même que la hache serait plus utile. Ah, mais j'ai pas la hache. La hache, je l'avais eu avant de mourir. Du coup, ça va sauvegarder. Là, comme tout à l'heure, il faut que je le scelle en utilisant l'écran tactile pour faire le saut. Et là, je me suis vautré comme une merde. Donc, du coup, il récupère de la vie. Ce qui n'est absolument pas pratique, puisque je n'ai quasiment plus de potions. En bas. Ah, purée, je pensais l'avoir évité, là. Allez, cette fois on se loupe pas. Voilà. Et il m'a donné son âme. Toucher l'écran tactile pour détruire certains blocs. Du coup maintenant. Voilà. Je peux passer la salle où il y avait tous les blocs de glace. Ça m'a coûté toutes mes potions quand même cette histoire. Je peux remettre les zombies aussi. En attaque spéciale, je peux placer un double coup avec le katana, mais du coup ça me pompe de la magie. Merci Beret, de toute façon je vais pas tarder à arrêter, je vais aller faire à manger je pense bientôt. Merci d'être venu en tout cas, c'était super cool. Une chaise.
salle de débarcation. Moi, je l'avais pas activé. Est-ce que j'irai pas voir si je peux forger une nouvelle arme par hasard? Il a fait un truc bizarre. Je le vois souvent qui me regarde méchamment. Je ne crois pas que ce soit méchant, mais comme c'est un voisin, je lui souris, mais il détourne le regard. Aurais-je fait quelque chose pour le fâcher? Non, c'est ton imagination, il est un peu brut, ça explique son regard. Je lui poserai la question quand on aura l'occasion. Tu le feras? Merci alors. Maintenant, quoi puis-je t'aider? On va faire de nouvelles armes. Je sais plus à quoi ça sert que je libère des âmes. Bref. Est-ce que Hammer a des choses à vendre? Est-ce que je serais pas contre une armure, par exemple? J'ai reçu un magazine, la Gazette Huma. C'est sur les vrais monstres. Je crois qu'il y a aussi des nouvelles du coin, c'est intéressant. Je l'achèterai si j'en ai envie. Eh, mais attention, t'avises pas de la lire dans mon échoppe. C'est un article à vendre. Si tu le lis sans payer, c'est comme du vol. Je le sais bien. Bon, du moment que tu as compris ça. Sors régulièrement. Il faut vérifier si de nouveaux numéros ont apparu. D'accord. Tu veux l'acheter? J'ai que ça à acheter, je crois. Même pas t'es capable de me donner une armure, quoi. Je vois même pas ton magasin à la con. Ah mais en fait, je regardais mes objets à moi. Comme la traduction est merdique. Bref, bon. On va prendre ces deux numéros. Et voyons. Ah, il y a une rapière. Il y a une main gauche aussi. Ah, mais elle coûte super cher. Un sabre. Ah. On va se calmer, il faut déjà que je prenne un truc pour ma défense. La côte d'anneau là, elle est bien. Elle manque bien la défense. Une robe en soie peut-être. Je crois que j'ai assez pour prendre au moins la rapière. Pardon. Ah, c'est soit la crotte de soie, soit la côte d'âne. Je croyais que c'était un accessoire. Et voilà, je peux donner des coups de rapier maintenant. Nya, nya. Et l'action spéciale, c'est un coup des stocks vers l'avant. J'adore. Table. Une table qui bouge. La table de Ouija. J'ai même pas regardé le magazine que j'ai acheté. Scoop en exclusivité. Découverte d'un terrible Yeti. C'est tout. Attention, alerte de terreur. Voici le mythe. En fait, je suis obligé de les acheter pour que les monstres en question ils apparaissent. Si j'achète pas le magazine, je les verrai jamais. C'est des monstres rares en fait.
N'empêche que le fait qu'il y ait des attaques spéciales avec les armes, c'est très sympa. Après, ça coûte de la magie, donc il faut choisir entre utiliser un sort ou utiliser l'attaque spéciale. Mais sans en avoir, en fait, c'est ça donne plus de diversité au gameplay. Ok. Je dois utiliser le. Mince! Oh, moi, ça va être chiant ça. Donc j'utilise à la fois l'écran tactile et à la fois la manette. J'arrive déjà pas à sauter sur la plateforme. Allez, on retente. Ben voilà. Impeccable. Il y a des endroits que j'ai pas encore vu de l'autre côté, mais bon, on y reviendra. Les jardins de la folie. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était bien sympa. Même si on n'en est encore qu'au tout début. Et du coup, on va raid notre cher timide Dunwich. Je pense que ça peut plaire à Béré. Fana de la mythologie de Lovecraft.